Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Romano et je suis là pour vous présenter le Discord que j'ai créé, un Discord que j'ai basé sur ma série de jeux sur 3DS qui s'appelait Nintendo Pocket Football Club. J'ai créé un Discord qui s'appelle YouTube Eleven et donc j'ai fait ça en fait juste parce que j'en avais envie. J'avais envie de regrouper les gens de ma communauté qui puissent venir un peu me parler tout ça. Enfin, bref, je vais vous présenter le Discord et je vous ai mis directement dans le truc le plus chiant dans Discord, les règles. Actuellement donc c'est un Discord officiel, ce n'est pas un fake, donc le lien qui est sur la vidéo, s'il ne fonctionne plus, je le changerai évidemment, c'est normal, mais c'est moi qui l'ai fait, ne vous inquiétez pas, pas de problème, c'est moi, voilà. Alors, sur les règles, c'est assez simple, moi tout ce que je souhaite déjà, c'est que tout ce qui est de l'ordre de ce qu'il ne faut pas mettre en public, là pour le coup je ne veux pas du racisme, de l'homophobie, des insultes, de la pornographie, tout ça, non, je ne veux pas, hein. Et quand je m'etc, c'est-à-dire qu'il y a d'autres trucs que je ne tolère pas et que je ne tolérerai jamais. Donc, voilà, on est là pour discuter entre nous. Au niveau des salons, je vais quand même expliquer rapidement les différents salons, on ne va pas lire ce qu'il y a dans les règles. Donc, la salon règle que vous ne pourrez pas faire de modification dessus, il n'y a que moi qui, ou les modérateurs, s'il y en a un jour, qui pourront imposer des nouvelles règles, c'est un petit peu le petit passage obligatoire rapidos, après une fois que vous avez compris les règles, vous passez. J'ai ouvert donc un forum suggestion, un chat suggestion, où là, tous les membres pourront suggérer des choses, voire moi, je peux vous suggérer des choses, et vous... pourrez me dire ce que vous voulez pour améliorer donc le Discord. Donc, voilà, c'est ici que ça se passe. Vous me faites des suggestions, vous voulez racheter un smiley parce que vous l'aimez bien, vous me le montrez sur ce chat là et moi je vous dirai ok, je l'intègre ou je ne l'intègre pas selon mon humeur. Donc voilà, c'est le forum pour vous. Un autre forum qui va me servir à plusieurs choses, en tout cas. Vous allez comprendre, j'ai créé un chat, posez vos questions. En gros, toutes ces questions que vous voudriez me poser à moi personnellement, vous pouvez les mettre ici. Voilà. Et il faut savoir que j'utiliserai ce Discord-là, ce chat-là, pour si un jour j'ai envie de faire une FAQ pour ma chaîne YouTube, toutes les questions seront concentrées à cet endroit. Donc, à partir d'une certaine date, je dirai, venez vous poser vos questions ici, et vous viendrez poser vos questions. En tout cas, une partie, j'en prendrai peut-être des questions Facebook et Twitter, mais je prendrai aussi des questions sur le Discord. Et là, actuellement, si vous posez des questions, je vous y répondrai avec grand plaisir. On va passer maintenant à la catégorie discussion, parce que là, avant, on était dans la catégorie administration. Discussion. Nous avons donc un petit salon de bienvenue. Donc là, il y a des tests qui ont été faits, il y a des gens qui sont venus déjà. On est 4 plus moins 5 plus le bot 6, donc actuellement 6, parce que les bots se disaient bonjour aussi entre eux. Donc voilà. Puis voilà. Il y a un fan de Romano, c'est moi par exemple. Bref, c'est le topic de bienvenue où les gens qui arrivent pour la première fois sur le Discord, bah, ils auront un petit message de bienvenue. Et aussi, s'ils décident de partir définitivement, de quitter le serveur YouTube Eleven, ils auront, ou le club YouTube Eleven, faudrait plutôt dire, voilà. Ils auront un petit message de au revoir. Qu'ils ne verront pas puisqu'ils seront déjà partis. Nous avons un petit salon blabla, alors là c'est du blabla, vous mettez ce que vous voulez dedans, pas de problème. Nous aurons un salon jeux vidéo si vous voulez parler de jeux vidéo, que ce soit sorti actuellement ou non. Bref, ce sera le chat sur ce sujet là. Pareil pour les mangas et les animés, pareil les animes, bref, on s'en fout. Cinéma et séries, vos créations si vous avez envie de vous montrer vos créations qui pourront tout à fait intégrer le Discord si besoin. Et une section bot où on peut s'amuser à écrire, à faire des commandes des bots. Donc, je vais parler du bot tout de suite puisqu'on y est. J'ai donc pour l'instant pris ME6, donc Mi6. Je sais pas si ça se dit comme ça. Mais peu importe, actuellement, c'est ce bot-là. Et donc, ce bot-là permet de faire des commandes personnalisées, de faire monter de niveau les gens, de mettre des messages de bienvenue, tout ça, tout ça. Alors il y en a qui sont un peu plus développés, il y en a même avec lesquels on peut jouer. Je sais qu'il y a un certain Tsumaki qui est relativement efficace, mais je le trouve un petit peu bordélique une fois que les gens ils commencent à pêcher des poissons partout. Bref, voilà, c'est bien compliqué, donc je veux commencer par ce bot là. Et on verra si il y a besoin, on changera évidemment. Après, nous avons une série, mais une grande série de salons vocaux. Blabla, pareil, si vous avez envie juste de discuter, vous pouvez aller dans le blabla.
Vous avez 4 séances de multi, on pourra en rajouter si besoin, si vous avez besoin de jouer avec des potes en ligne, pas de problème. Vous avez aussi 2 salons stream que je pourrais vous fermer si vous voulez faire un stream. Je ne veux pas qu'on vous dérange, vous pouvez tout à fait me demander de couper ce stream pendant le temps de votre stream, de couper le salon vocal stream qui vous concerne. Je pourrais vous le bloquer pour pas que vous soyez gêné, mais au moins vous pourrez faire peut-être des vidéos en multi enregistrées sans qu'on vous dérange. Voilà, on verra ça évidemment à l'utilisation. Et enfin, un dernier salon stream Romano qui sera fermé à tout le monde, sauf en cas d'événement où il sera quand même fermé, mais c'est moi qui inviterai les gens si je décide de faire des streams avec des viewers, des abonnés, tout ça. Il se peut que j'utilise ce salon pour la discussion. Donc si vous voulez discuter avec moi, parce qu'en vocal je serai dispo aussi de temps en temps en vocal, il faut venir ici, hein, c'est plus pratique. Voilà, voilà. Donc voilà, ça c'est pour l'utilisation des salons. Alors concernant le bot, un truc que vous pouvez voir tout à droite, donc le MI6 on s'en fout, mais c'est entraîneur, donc moi je suis l'entraîneur de l'équipe actuellement, et nous avons donc des remplaçants, nous avons aussi des titulaires. Cependant les titulaires ne seront débloqués qu'à force d'entraînement, à force de faire de mettre des messages. En fait, quand vous mettez des messages, vous entraînez votre corps, votre esprit, ça vous permet de gagner en caractéristiques et de monter de niveau, et à partir actuellement du niveau 7, après on va peut-être un petit peu voir si on peut pas un petit peu moduler tout ça en rajoutant des rangs, tout ça. Et c'est là que sert le chat de suggestion finalement, ou le chat bot, mais plutôt suggestion pour le coup, de voir pourquoi pas de commencer en amateur, puis le mec quand il passe niveau 1, il passe en CFA, à partir du niveau 3, il commence en attente de signature de contrat. Niveau 5, il passe remplaçant, et niveau 7, il passe titulaire. J'invente les rangs au hasard. Enfin, voilà. Mais c'est pour vous donner une idée. J'invente, mais c'est pour vous donner une idée de comment on pourrait développer le côté évolution de la personne qui écrit le message. Et actuellement, il y a aussi un rang qui s'appelle adjoint, donc adjoint de l'entraîneur, qui sont les modérateurs quand il y en aura. Et on pourrait tout à fait se dire de, je sais pas, prendre un entraîneur des gardiens, ce genre de choses. C'est à réfléchir, donc le Discord est totalement ouvert à toutes les suggestions, et donc si vous voulez me contacter, ce sera avec les réseaux sociaux, évidemment, le meilleur moyen, surtout si vous me voyez connecté, c'est que je suis là, donc vous pourrez tout à fait me poser vos questions ou m'interpeller, il n'y aura pas de problème, voilà. Donc, le lien du Discord se trouve tout en bas de la vidéo. N'hésitez pas à venir, à te faire un petit coucou, vous n'êtes pas obligé d'être là tous les jours non plus, hein, je vous demande pas ça. Mais pourquoi pas passer un bon petit moment avec la communauté. J'espère qu'on restera pas que 5 finalement sur ce Discord. Je vous attends de pied ferme. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur cette vidéo pour vous dire ce que vous en pensez du Discord, si vous trouvez que c'est une bonne idée. Et puis voilà, donc je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Le lien en bas, les réseaux aussi, tout est en bas, réseau, Facebook, Twitter, Twitch, tout ça, et tous les liens sont en dessous. Et donc, je vous attends. Ciao tout le monde.